Lecture du livre « Les paraboles de notre Seigneur » d'Ellen White. Chapitre 10. Choses nouvelles et choses anciennes. Tout en instruisant la foule, le Christ formait ses disciples à leur mission future. Dans toutes ses instructions, il y avait des leçons pour eux. Après leur avoir donné la parabole du filet, il leur demanda « Avez-vous compris toutes ces choses ?»« Oui, » dirent-ils. Il leur proposa alors une autre parabole pour leur permettre de saisir la responsabilité qui leur incombait à cet égard. Il leur dit « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Le trésor acquis par le maître de maison ne doit pas être mis dans un coffre-fort, mais être partagé avec d'autres. Son emploi le fait fructifier. Le maître de la maison a chez lui des choses nouvelles et des choses anciennes. Le Christ veut montrer par là que la vérité confiée à ses disciples doit être donnée au monde et que ceux-ci s'enrichiront dans la mesure où ils en feront part à d'autres. Tous ceux qui reçoivent l'Évangile dans leur cœur auront le désir de le proclamer. L'amour du Christ doit se manifester, car l'âme qui a accepté son Sauveur racontera comment elle a été guidée par le Saint-Esprit. Elle parlera de sa faim et de sa soif de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, du résultat de son zèle à sonder les Écritures, de ses prières, de ses heures d'angoisse et des paroles que le Christ lui adressa. « Tes péchés te sont pardonnés. » Ce n'est pas normal de garder ces choses pour soi. Aussi, celui qui est rempli de l'amour du Christ n'agira pas de la sorte. Plus nous aurons reçu de la part du Sauveur, plus nous serons désireux de faire goûter à d'autres cette même bénédiction. En faisant connaître les riches trésors de la bonté de Dieu, nous recevrons de nouvelles grâces. Nous aurons un cœur d'enfant dans toute sa simplicité et son obéissance implicite. Nous soupirerons après la sainteté, et les trésors de la grâce et de la vérité nous seront donnés dans une mesure de plus en plus grande pour que nous les communiquions au monde. La source infinie de la vérité, c'est la parole de Dieu, la parole écrite, le livre de la nature, le livre des voies de Dieu envers les hommes. Voilà les trésors où les ouvriers du Christ peuvent puiser. Dans leur recherche de la vérité, il faut qu'ils comptent sur Dieu et non sur l'intelligence humaine, sur les grands hommes dont la sagesse n'est que folie à ses yeux. Le Seigneur a mis à la portée de tout chercheur consciencieux les moyens de le connaître. Si le disciple de Jésus-Christ croit à sa parole et la met en pratique, il n'est aucune science qu'il ne puisse saisir et apprécier. Tous les moyens de présenter la vérité aux autres lui seront fournis. Les sciences naturelles offrent un trésor de connaissances que peut acquérir quiconque est à l'école du Christ. À mesure que nous contemplons les beautés de la nature, que nous étudions les leçons qu'elle nous enseigne par l'agriculture, la croissance des arbres et toutes les merveilles de la terre, de la mer et du ciel, nous obtenons une nouvelle conception de la vérité. Les desseins mystérieux de Dieu à l'égard de l'homme, les profondeurs de sa sagesse et de son jugement tels que nous les observons dans la vie courante, sont autant de mines d'où l'on peut tirer de grandes richesses. Mais c'est dans la parole écrite que se trouve le plus clairement révélé à l'homme déchu la connaissance de Dieu. Elle est vraiment le livre des richesses insondables du Christ. La parole de Dieu comprend l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau. L'un n'est pas complet sans l'autre. Jésus déclare que les vérités de l'Ancien Testament ont autant de valeur que celles du Nouveau. Il était le Rédempteur des hommes aussi bien au commencement du monde qu'aujourd'hui. Avant que le Sauveur ait revêtu sa divinité de notre humanité, le message évangélique avait été annoncé par Adam, Seth, Enoch, Méthuselah et Noé. Abraham en Canaan et Lot à Sodome l'avaient prêché, et toutes les générations eurent de fidèles messagers pour parler de celui qui allait venir.
Les rites de l'économie judaïque avaient été institués par le Christ, qui était lui-même le fondement des offrandes sacrificielles, le grand antitype de tous les services religieux. Le sang des victimes symbolisait le sacrifice de l'agneau de Dieu. En lui s'accomplirent toutes les offrandes typiques. Le Christ, manifesté aux patriarches, symbolisé dans les sacrifices, dépeint dans la loi, révélé par les prophéties. Voilà les richesses de l'Ancien Testament. Le Christ dans sa vie, dans sa mort et sa résurrection. Le Christ manifesté par le Saint-Esprit. Voilà le trésor du Nouveau Testament. Notre Sauveur, reflet de la gloire du Père, remplit à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Les apôtres furent appelés à servir de témoins de la vie, de la mort et de l'intercession du Christ annoncé par les prophètes. Le thème de leur prédication était son humiliation, sa pureté, sa sainteté, son amour infini. Et pour que leur parole ait de la puissance, ils devaient présenter le Sauveur, non seulement tel qu'il s'était révélé dans sa vie et ses enseignements, mais aussi tel qu'il avait été prédit par les prophètes de l'Ancien Testament et symbolisé par les sacrifices. Dans son enseignement, le Christ présentait des vérités anciennes dont il était lui-même l'auteur, des vérités qu'il avait autrefois annoncées par l'intermédiaire des patriarches et des prophètes. Maintenant, il répandait sur elles une nouvelle lumière. Combien différente apparaissait alors leur signification. Ces explications répandaient un flot de lumière et de vie spirituelle. Il promit à ses disciples l'aide de l'Esprit et leur dit que la parole de Dieu leur dévoilerait de plus en plus ses trésors. Cela devait leur permettre de revêtir la vérité d'une beauté nouvelle. Depuis le jour lointain de la promesse d'un Rédempteur en Éden, la vie, le caractère et l'œuvre médiatrice de Jésus-Christ ont été un sujet d'étude pour l'esprit humain. Cependant, ceux par qui le Saint-Esprit a opéré ont présenté ces choses sous un aspect nouveau et lumineux. Les vérités de la rédemption sont sujettes à un constant développement. Bien qu'anciennes, elles sont toujours actuelles, révélant sans cesse à ceux qui les étudient une gloire et une puissance plus grandes. À chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité, un message de Dieu à la génération présente. Les vérités anciennes ont toujours leur importance, mais les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes, elles n'en sont que le complément. Les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. Quand le Christ voulut exposer à ses disciples la vérité de la résurrection, il commença par Moïse et tous les prophètes, et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. C'est la lumière qui brille dans les vérités nouvelles qui illumine celles du passé. Celui qui rejette ou néglige les nouvelles ne possède pas vraiment les anciennes. Pour lui, elles perdent leur puissance vivifiante et deviennent une forme inerte. Il est des hommes qui croient et enseignent les vérités de l'Ancien Testament tout en rejetant celles du Nouveau. Mais en refusant de recevoir les instructions du Christ, il montre qu'il ne croit pas aux paroles des patriarches et des prophètes. « Si vous croyez Moïse, dit Jésus, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. C'est pourquoi il n'y a aucune puissance dans leur enseignement de l'Ancien Testament. » Beaucoup de ceux qui s'imaginent croire et enseigner l'Évangile commettent la même erreur en laissant de côté l'Ancien Testament dont le Christ a dit « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » En rejetant l'Ancien Testament, ils rejettent virtuellement le Nouveau, car les deux font partie d'un tout inséparable. Nul ne peut présenter correctement la loi de Dieu sans l'Évangile, ou réciproquement, car la loi est l'Évangile en voie de formation, et l'Évangile est la loi révélée. La loi est la racine, l'Évangile est la fleur parfumée et le fruit qui couronne son développement. L'Ancien Testament jette un flot de lumière sur le Nouveau. L'un et l'autre sont la révélation de la gloire divine en Christ. Ensemble,
Il présente des vérités dont le sens profond se révélera avec une clarté toujours plus grande à l'intelligence de celui qui les étudie avec soin. La vérité qui est en Jésus-Christ et qui se manifeste par lui est incommensurable. Elle apparaît à celui qui étudie les Écritures comme une source qui va en s'approfondissant et en s'élargissant à mesure qu'il la contemple avec plus d'attention. Une vie ne suffirait pas pour approfondir le mystère de l'amour de Dieu qui a donné son Fils en propitiation pour nos péchés. L'œuvre de notre Rédempteur sur la terre est et sera toujours un sujet qui dépassera tout ce que la plus forte imagination peut concevoir. L'homme peut faire l'impossible pour pénétrer ce mystère, mais son esprit se fatiguera à cette tâche. Le chercheur le plus diligent verra devant lui un océan sans limite. La vérité qui est en Jésus-Christ peut être expérimentée, mais non expliquée. Sa hauteur, sa longueur et sa largeur dépassent notre connaissance. Nous pouvons pousser notre imagination au plus haut degré. Nous ne parviendrons qu'à entrevoir une faible esquisse de l'amour inexplicable, aussi élevé que les cieux et qui, ici-bas, daigne venir imprimer l'image de Dieu sur tous les êtres humains. Cependant, il nous est possible de nous rendre compte de l'étendue des compassions de Dieu à notre égard. Elles sont révélées au cœur humble et contrit. Nous ne comprendrons en effet l'amour de Dieu que dans la mesure où nous saurons apprécier le sacrifice qu'il a consenti pour nous. Une étude de la parole de Dieu faite avec humilité nous permettra de saisir ce qu'il y a de grand dans le thème de la rédemption. À mesure que nous le contemplerons et que nous nous efforcerons de le comprendre, elle augmentera d'éclat et nous la verrons croître en hauteur et en profondeur. Notre vie doit être unie à celle de Christ. Nous devons sans cesse nous attendre à lui, car il est le pain vivant descendu des cieux, la source rafraîchissante qui donne constamment ses eaux précieuses. Si nous demeurons toujours en sa présence, nos cœurs tournés vers lui pour le remercier et le louer, notre vie inférieure sera continuellement fortifiée. Nos prières deviendront de véritables colloques intimes avec lui. Nous pourrons converser avec Dieu comme avec un ami. Il nous parlera personnellement de ses mystères et nous sentirons fréquemment la douce présence de Jésus. Souvent nos cœurs brûleront au-dedans de nous quand il s'approchera pour s'entretenir avec nous comme il le faisait avec Hénoc. Quand telle sera véritablement l'expérience du chrétien, il se dégagera de sa vie une simplicité, une humilité, une douceur, une tendresse qui prouveront à tous ceux qui l'entourent qu'il a été avec Jésus et qu'il a appris de lui. La religion de Jésus-Christ révèle chez ceux qui s'y conforment un principe vivifiant, une puissante spiritualité. Elle a la fraîcheur, le pouvoir, et la joie d'une perpétuelle jeunesse. Le cœur qui reçoit la parole de Dieu n'est pas semblable à une piscine dont l'eau s'évapore ou à une citerne crevassée qui laisse échapper son contenu. Il est comme un torrent qui descend des monts à travers les ravines, alimenté par une source intarissable dont les eaux fraîches et limpides, bondissant de rocher en rocher, désaltèrent le voyageur accablé et mourant de soif. Cette expérience donne à qui enseigne la vérité les qualités requises pour être un digne représentant du Christ. L'Esprit du Sauveur fera que ses déclarations seront puissantes et directes. Le témoignage qu'il rendra de Jésus ne sera ni étroit, ni dépourvu de vie. Il ne répétera pas toujours le même discours. Son esprit sera constamment favorisé de l'illumination du Saint-Esprit. Le Christ a dit: « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Quand nous mangerons la chair du Christ, quand nous boirons son sang,
on observera dans notre ministère des éléments de la vie éternelle. Nous ne reviendrons plus sans cesse sur des pensées surannées. Les prédications fades et monotones cesseront. Les anciennes vérités seront présentées sous un jour nouveau. Nous posséderons une nouvelle conception de la vérité et une puissance dont chacun pourra se rendre compte. Ceux qui auront le privilège d'exercer un tel ministère, s'ils se laissent influencer par le Saint-Esprit, sentiront en eux la puissance vivante d'une vie nouvelle. Le feu de l'amour divin les embrasera et leurs facultés seront avivées. Ils discerneront la majesté et la beauté de la vérité. Le fidèle maître de maison représente ce que devrait être l'éducateur idéal. S'il considère la parole de Dieu comme un trésor, il en retirera toujours de nouvelles vérités. Et s'il reste en communion avec Dieu par la prière, l'Esprit du Christ reposera sur lui et opérera par son moyen en faveur des autres. L'Esprit remplira son intelligence et son cœur de courage et d'espérance, et il lui rappellera les exemples de la parole de Dieu, de telle sorte qu'il ne pourra faire autrement que de les communiquer à la jeunesse qui lui est confiée. Les sources de paix et de joie céleste, jaillissant du cœur du Maître par les textes inspirés, deviendront un fleuve puissant d'influence bénie pour tous ceux qui entreront en contact avec lui. La Bible cessera d'être pour l'élève un livre ennuyeux. Sous la direction de ce maître sage, elle deviendra de plus en plus désirable. Elle sera comme le pain de vie qui ne vieillit jamais. Sa fraîcheur et ses attraits charmeront les enfants et la jeunesse. Et semblable au soleil, elle communiquera sa chaleur et sa clarté sans jamais s'épuiser. L'Esprit de Dieu qui enseigne les enfants des hommes est dans la parole. Une lumière nouvelle émane de chacune de ses pages. La vérité y est révélée. Des paroles et des phrases y sont tracées qui s'adaptent à toutes les circonstances, comme la voix de Dieu s'adressant à l'âme. Le Saint-Esprit aime à parler aux jeunes et à leur faire découvrir les trésors et les beautés de l'Écriture. Les promesses qui ont été faites par le grand docteur captiveront les sentiments et animeront l'âme d'une puissance divine. Le croyant se familiarisera avec les choses célestes qui deviendront pour lui un rempart contre la tentation. Le croyant se familiarisera avec les choses célestes qui deviendront pour lui un rempart contre la tentation. Les paroles de vérité auront une importance plus grande et prendront une signification inconnue jusqu'alors. Leur beauté et leur richesse auront une influence transformatrice sur l'esprit et le caractère. La lumière de l'amour céleste inspirera les cœurs. Une étude prolongée de la Bible ne peut que la faire apprécier et amener celui qui s'y livre à la connaissance de la sagesse infinie et de l'amour de Dieu. La signification de la dispensation israélite n'a pas encore été totalement comprise. Des vérités profondes sont voilées sous les rites et les symboles. L'Évangile est la clé qui ouvre la porte sur ces mystères. Et grâce au plan de la rédemption, ces vérités inconnues seront comprises. Notre privilège est donc de pénétrer bien plus avant dans la connaissance de ces sujets, car il nous faut comprendre les choses profondes de Dieu. Les anges eux-mêmes désirent plonger leurs regards dans ces choses qui sont révélées à ceux qui ont le cœur contrit, sondent les Écritures et demandent au Seigneur de mieux saisir la longueur, la profondeur, la hauteur de la connaissance que lui seul peut leur donner. Tandis que nous approchons de la fin de l'histoire du monde, les prophéties relatives au dernier jour réclament notre attention. Le dernier livre du Nouveau Testament est rempli de vérités qu'il est nécessaire que nous comprenions. Satan a fermé les yeux de plusieurs, de telle sorte qu'ils sont tous heureux de trouver une excuse pour ne pas étudier l'Apocalypse. Mais le Christ y a révélé par son serviteur Jean ce qui arrivera dans les derniers temps. Et il dit au début du livre « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » La vie éternelle, a dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Pourquoi ne nous rendons-nous pas compte de la valeur de cette connaissance? Pourquoi ces glorieuses vérités ne résonnent-elles pas sur nos lèvres et ne remplissent-elles pas tout notre être? En nous donnant sa parole, le Seigneur nous a communiqué toutes les vérités nécessaires au salut. Des milliers de gens avant nous se sont désaltérés à cette source et ils ne l'ont pas épuisée. Des milliers ont contemplé leur Dieu et ont été changés à son image. Leur esprit brûlait au-dedans d'eux tandis qu'ils parlaient de son divin caractère, de ce que le Christ était pour eux et de ce qu'ils étaient pour lui. Ces chercheurs zélés n'ont pas épuisé ces sujets émouvants et des milliers d'autres peuvent s'engager dans cette voie de la connaissance des mystères de notre salut. Si nous vivons la vie du Christ, si nous comprenons le caractère de sa mission, nous distinguerons mieux les rayons de la lumière qui en émane. Chaque effort augmentera notre connaissance. Le sujet à étudier est inépuisable. L'étude de l'incarnation du Fils de Dieu, son sacrifice expiatoire, son œuvre médiatrice occuperont tous les jours de notre vie. Si nous songeons aux années sans fin à passer au ciel, nous ne pouvons que nous écrier « Le mystère de la piété est grand !» Pendant l'éternité, nous étudierons ce que nous aurions pu apprendre ici-bas si nous avions mieux suivi la lumière qui avait brillé sur notre chemin. La théorie de la rédemption sera pour les rachetés un sujet constant de méditation et de louange. Ils comprendront les vérités que le Christ désirait révéler à ses disciples s'ils avaient eu plus de foi. Des visions nouvelles de la perfection et de la gloire du Sauveur leur seront accordées. C'est pendant les siècles éternels que le fidèle maître de maison tirera de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Suite de la lecture, dans la troisième partie de cet ouvrage intitulé « La prière » au 11e chapitre « Demander pour donner ». Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.